Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pensez à mettre un pouce en l'air si vous aimez la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, pensez à vous abonner et surtout, surtout, activez les notifications pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise sur la chaîne. Salut Internet! Bienvenue dans votre message quotidien de vos défunts. Alors, aujourd'hui, j'ai canalisé un message pour Sandra Thibault de son père Daniel. Alors, voici Sandra, votre message. T'es tannante, rire. Je sais que tu veux me parler, je t'entends, rire. Je suis pas à l'aise de te répondre. Faire toutes sortes de simagrées. Ça veut pas dire que je suis pas avec toi, loin de là. Ça veut juste dire qu'il faut que tu comprennes que c'est très demandant, ces choses-là, et que je mets mon énergie ailleurs. C'est pas parce que je t'aime pas et que je veux t'abandonner. C'est que j'ai besoin de travailler sur moi-même encore, rire. Mes dernières années sur la Terre m'ont coûté cher en énergie. Fait qu'il faut que j'apprenne. Je ne suis pas tout seul, il y a mon ange, une chance qui est là pour m'aider, parce que j'aurais tout envoyé promener, rire. Ça ne m'empêche pas d'être auprès de toi quand tu en as besoin ou quand moi-même je m'ennuie. C'est juste que tu ne le sauras pas toujours. On peut faire une affaire, la musique. Continue de me demander avec ça, c'est plus facile pour moi. Il y a peut-être bien des affaires que je changerais à cette heure que je sais, mais pas toi, rire. Oh non, je te changerai pas pour rien au monde, même avec ton petit caractère, rire. Je t'aime ma fille, puis ça, c'est le plus important. Alors, Sandra, votre papa, il est assez clair hein, dans le message, et je vais revenir sur certaines lignes, mais je veux que tout le monde qui écoutait en ce moment le message, comprenez que Daniel, en ce moment, il nous explique que quand on demande des messages, des signes, puis on en a besoin, puis c'est compréhensible, mais ça leur demande à eux de l'énergie. Et comme Daniel nous le dit dans son message, en ce moment, il veut mettre son énergie ailleurs, en fait, sur son évolution à lui. OK? Et ça ne veut pas dire que Daniel, ça va toujours être comme ça, mais en ce moment, au moment où on se parle, au moment où on le canalise, ben oui, il veut mettre ses énergies sur son évolution. Alors, très important, il dit qu'il sait que vous voulez lui parler, qu'il vous entend, ça c'est une bonne nouvelle. Il n'est pas à l'aise non plus de répondre à travers un médium comme ça. Il n'est pas à l'aise de cette façon de fonctionner-là, et ça, encore une fois, ça peut répondre à certaines personnes. Pourquoi, exemple, que quand vous allez voir des médiums, ça ne fonctionne pas, papa ne vient jamais vous parler, maman ne vient pas, votre soeur ne vient pas. C'est pas à cause du médium, c'est même pas à cause de vous nécessairement, mais oui, je vous annonce qu'il y a des défunts qui ne veulent pas passer de cette façon-là pour transmettre leur message. Et il faut respecter ça. Hein? Ça peut faire partie de leur croyance, ça peut faire partie d'une expérience, etc. Donc, faire toutes ces simagrées-là, hein, papa a dit tout ça, mais plus loin dans son message, il vous dit par exemple que si vous utilisez la musique, Sandra, ça va être plus facile pour lui de vous faire comprendre son message ou de vous dire qu'il est là avec vous. Donc, si vous avez envie de communiquer avec papa, de savoir qu'il est présent avec vous, installez-vous près d'un radio dans votre voiture, à la maison, peu importe, et parlez-lui. Ensuite, montez le volume de la radio et écoutez les paroles de la chanson. Parce qu'à travers ça, ben, il va pouvoir vous parler. Et aussi, il vous dit, bon, j'ai besoin de travailler sur moi-même. Il dit que ces dernières années sur Terre lui ont coûté cher. Je vous ai dit rapidement les énergies, mais c'est en énergie. Donc, c'est une expression, ça m'a coûté cher les dernières années de ma vie. Ça peut être en santé aussi, mais c'est surtout dans le cas des énergies que papa voulait vous dire. J'ai beaucoup aussi aimé quand il dit qu'il n'est pas tout seul, que son ange est là près de lui, puis une chance qu'il est là pour l'aider parce que en arrivant de côté, papa, il aurait tout envoyé se promener. Hein? L'évolution spirituelle, travailler sur soi, comprendre ce qu'on était venu faire sur Terre, tout ça.
Lui, au début, là, c'était comme « achalez-moi pas avec ça ». Mais il a fini par comprendre parce que votre père est très intelligent. Intelligent, émotionnellement intelligent au niveau de la spiritualité aussi. Bon, et à la toute fin, il vous dit que ça ne l'empêche pas d'être présent avec vous. Vous ne le saurez peut-être pas toujours. Vous vous en rendrez peut-être pas compte toujours. Et de là aussi, ça ne veut pas dire que depuis le tout début que papa est décédé, qu'il ne vous a jamais fait de signe. Au contraire, regardez, malgré le fait qu'il n'aime pas trop ça, passer à travers un médium, il le fait pareil. Ça veut juste dire de ne pas penser que tout ce qui se passe autour de vous, ben c'est toujours de ces manifestations à lui que ça vient, par exemple. D'accord, Sandra? Alors aujourd'hui, le message était pour Sandra Thibault de son père Daniel. Maintenant, on va aller avec une personne qui attend bien sagement de pouvoir donner son message. Aujourd'hui, on va parler avec Corinne. Corinne, c'est une personne qui est décédée. C'est une femme qui est décédée. Elle veut donner un message à son fils. Oui, c'est à son fils qu'elle veut s'adresser. Elle dit qu'il y en a d'autres. Encore une fois, qu'il y a d'autres personnes. Mais là, elle veut que ce soit son fils qui écoute. Je veux que ce soit lui qui écoute. Je veux que ce soit lui qui prenne le message. Elle met ses deux mains comme ça sur son cœur. Elle dit que de toute sa vie, jamais elle a regretté de l'avoir mis au monde. Elle veut qu'il arrête de penser qu'il est un moins que rien. Elle veut qu'il arrête de penser qu'il n'a pas sa place ici sur Terre. Qu'il pense aussi que de toute sa vie, il a toujours dit ça ou pensé ça. Il ne l'a peut-être pas dit, elle dit non. Il ne l'a pas dit verbalement, il l'a pas, à moi, elle dit en moi en tout cas, il ne l'a pas dit verbalement. Mais je l'ai senti plusieurs fois et maintenant je le sens encore plus comme ça. Comme quelqu'un qui sent qu'il n'a pas sa place, qui n'aurait jamais dû venir au monde. Et elle dit que ces paroles-là, à maman Corinne, ça la blesse énormément. Parce qu'elle est toujours et encore aujourd'hui en train de se demander qu'est-ce qu'elle a fait de pas correct avec vous pour que vous sentiez que vous n'aviez pas le droit de venir au monde, que vous n'aviez pas d'affaires à venir au monde, que vous auriez été mieux de ne pas venir au monde. Parce qu'elle dit que dans son cœur à elle, vous mettre au monde, ça a été une des plus belles choses qu'elle a faites, puis qu'elle avait hâte. Elle avait hâte d'avoir son fils, ce fils-là. Est-ce que vous êtes un premier ou peu importe? Elle avait hâte à ce moment-là. Elle dit qu'elle aurait tout donné pour vous, tout le temps que vous avez été petit, mais elle dit qu'elle recule loin en arrière, même quand vous étiez jeune, vous laissiez entendre que peut-être vous ne preniez pas votre place. Alors, elle dit que c'est comme un appel au secours, comme si c'était une dernière tentative, merci, une dernière tentative pour vous donner le goût de vivre, OK? Que oui, vous avez votre place ici sur Terre, puis encore plus aujourd'hui avec ce qu'elle comprend. De vous avoir mis au monde, il y avait une raison. Puis elle dit, je veux que tu comprennes cette raison-là. Je veux que tu réalises cette raison-là. C'est pour toi, tu as le droit d'être ici et tu as encore plein de belles choses à vivre. Elle finit, elle a toujours les mains comme ça, elle finit avec un beau grand sourire, elle ferme ses yeux, elle fait signe comme ça, oui, avec sa tête. Et elle dit que vous pouvez lui parler et que si vous avez besoin d'aide, plus que jamais, elle va pouvoir vous aider, vous fournir, merci, vous fournir en énergie. Alors, j'espère que le message de Corinne va se rendre jusqu'à cet homme et qu'il va réaliser, bien entendu, que oui, il a sa place ici sur le plan terrestre et qu'il y a une personne qui l'aime encore aujourd'hui et qui veut son bien et qui veut qu'il soit heureux. Alors, encore une fois, je vais vous demander votre concours dans le sens où partagez les vidéos de messages afin que les messages se rendent à tout le monde. Aujourd'hui, c'est à Sandra Thibault et à ce jeune homme-là qui a une maman qui s'appelle Corinne. Et je suis certaine que de partager la vidéo, bien, ça va vous faire un grand plaisir pour qu'on puisse réunir ces personnes-là dans les messages. Encore une fois, merci beaucoup de me suivre. Vos commentaires sont toujours les bienvenus sous la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo inspirante.